Bonjour mes chers apprenants. Toujours on va travailler avec la lettre Z. Passons à la première activité. Alors, entoure le dessin si tu entends Z. Z. La lettre Z. On commence. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voyez? Une gazelle. Une gazelle. Vous entendez la lettre Z? Très bien. J'entoure. Deuxième dessin. Un ange. Un ange. Est-ce que vous entendez le Z? Non. Un lézard. Un lézard. Très bien. J'entoure. J'entoure. Le numéro 15. 15. Très bien. Une girafe. Une girafe. Non, il n'y a pas de Z. Très bien. On passe à la deuxième activité. Alors, lis les mots suivants et souligne en rouge ce qui contient la lettre Z. Maintenant, on va souligner. Un zouave. Est-ce qu'il y a le Z? Oui. Je souligne. Un serpent. Non. 14. Oui. Le lézard. Très bien. Le trapèze. Oui. Zéro. Un magazine. Oui. Une girafe. Une girafe. Il n'y a pas. Le gazon. Le gazon. Oui. La zone. Oui, il y a le Z. Et 12. Et on va vérifier. Oui, il y a le Z. 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 Un Z. Très bien. Z. 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 Et pour les autres mots, il n'y a pas le Z. Ici, serpent. Girafe. On passe. Lis les syllabes, retrouve les mots, puis écris-les. Zébu. Za. Le premier mot, c'est quoi? Est-ce que je peux dire buzé? Non. Je dis zébu. C'est un animal. Très bien. Zé. Bu. Za. Col. Col. Za. Zur. A. Azur. Très bien. Alors, voilà. Zébu. Azur. Pardon, j'ai oublié le R. Alors, zébu. Colza, azur.
Alors, on va écrire la lettre Z, on l'avait écrite la dernière fois, mais on va la refaire une autre fois. Je vais repasser. J'écris la lettre Z en respectant les normes d'écriture. Très bien. Je passe. Remets les mots dans le bon ordre, puis écris la phrase correctement. À Zoé des zébus vus. On a un ensemble de mots. On a un ensemble de mots. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5. Et avec ces mots, je vais écrire une phrase. Ça veut dire je vais les remettre dans le bon ordre. Alors, à Zoé des zébus vus. Qu'est-ce que je vais commencer par quoi? Par quel mot? Le deuxième mot. Très bien. Et je dis ça c'est la lettre Z en majuscule. Zoé. Zoé. Zoé, j'écris le deuxième mot. À quoi? À vue. Il a vu quoi? Et voici la lettre Z en cursive, minuscule. Et je mets un point, le point pour marquer la fin de la phrase. Et je lis. Zoé a vu des zèbres. Très bien. Des zébus. Zoé a vu des zébus. Très bien. Voilà, on va continuer notre leçon. Toujours avec la lettre Z. Voici les quatre écritures du Z. Les quatre écritures du Z. Alors, coche la case si tu entends la lettre Z dans la syllabe. Si j'entends la lettre Z, je coche. Alors, qu'est-ce que c'est? Raisin. Raisin. La première case ou bien la deuxième case? Deuxième case. Zébu. Zébu. Première. Très bien. Dinosaure. Dinosaure. Troisième. Chemise. 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 Alors, troisième. Oiseau. Oiseau. Deuxième. Valise. Valise. Voilà. Et on a coché les syllabes là où j'entends la lettre Z.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va entourer. On va entourer. Je vais entourer là où je vois la lettre Z. Z, j'entoure. Est-ce que c'est un Z? Non. Très bien. J, non. W, non. Z. Oui, un autre Z. S, non. Z, oui. S, non plus. Z, en cursif, minuscule. Très bien. N, non. G, non. Voilà. Et nous avons les différentes écritures du Z. Z. Voilà, très bien. J'entends Z. Il y a la lettre Z. J'entends S. Mais cette lettre, elle va se prononcer dans certains mots Z. Quand le S est écrit entre deux voyelles, ce n'est plus le S, c'est un Z. C'est un Z. Regardez. Fraise. Fraise. Sucre. Zéro. Aspirateur. Costume. Bazar. Rose. Brosse. Fraise. Qu'est-ce que j'entends? Z. Très bien. Elle contient la lettre Z, la lettre S, mais elle se prononce Z. Et regardez, une voyelle. C'est plus le S, c'est un Z. Sucre. Je l'écris ici. J'entends le S. Zéro. Il contient la lettre Z. Aspirateur. J'entends le S. Costume. J'entends le S. Et regardez ici. Costume. La lettre S est entre une voyelle et une consonne. C'est le S. Bazar. Le bazar, c'est un lieu. Très bien, il y a le Z. Rose. La couleur rose ou bien une rose. J'entends le Z. Le O, c'est une voyelle. Le E, c'est une voyelle. Très bien. Brosse. Brosse. Vous allez me dire qu'il y a une voyelle ici, une voyelle ici. Mais brosse, ça s'écrit avec deux S. Avec deux S, c'est un S. Très bien. Alors, je reprends. Fraise. Zéro. Bazar. Rose. Sucre. Aspirateur. Costume. Brosse. Très bien. Alors, je vous dis merci, mes chers élèves, et à très bientôt.